exhorter, chanter, tout. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, ça sera dire que ton mari puisse t'aider. C'est ça seulement ces connexions. C'est ça que je parle d'exhortation. Et on va retourner un peu de la prière pour un peu de temps. Si Dieu nous fait grâce, on va parler encore d'autres thèmes. Mais ce que vous allez prendre dans les thèmes d'exhortation, il faut essayer un peu. Vous prenez l'exemple comme ce qu'on vient de lire dans Galates. On prend un verset, on sait un peu de rentrer dedans dans ce verset. On n'a pas si passé seulement ce verset, mais on a essayé un peu de rentrer dedans. Prendre des éléments qui sont dedans et puis commencer à utiliser ces éléments. Et aussi un jour, on va parler souvent, il y a aussi des histoires. Par exemple, on avait parlé des histoires de Lazare. Seulement, ce n'est pas un verset, c'est toute une histoire qui va développer. On va voir comment est-ce qu'on peut développer des histoires comme ça, des histoires de l'Élysée, des histoires parfois de Moïse. Il y a des versets clés que tu sais que dans cette histoire, les versets de Joseph, c'est ça. Il y a des versets, par exemple, de 1 à 10, tous les versets. Ça peut contenir des messages, il y a des messages. Mais toi, comme tu as des messages clés, tu sais que dans ces messages clés, je vais toucher ces versets, je vais toucher ces versets. Ces versets, ça ne me concerne pas de ce que j'ai fait. Parce qu'il y a des autres, ils passent le temps à donner des trucs qui ne concernent même pas ce qui est dans ce sujet, ce qui est dans son contexte. Et puis, par contre, vous direz, est-ce que vous avez sorti... quelque chose dit, ah, je n'ai pas compris, il disait ça, après, il a survolé, je ne comprends rien. Donc, c'est ça, comment exhorter. Et quand vous prenez les petits comme ça, les petits, vous commencez à avoir un verset, des versets, et il faut lire aussi à la maison quand vous lisez. Puis les gens qui ont souvent des français, c'est comme 21. Je vais même regarder dans la maison de la Bible, ils ont descendu faire second 21 20 francs. Bible, grand second 21 20 francs. C'est spécial offre. Ça y est avant. Second 21, il y a quand même des versets concordance. Vous pouvez regarder un ou deux versets qui concordent avec vos pensées, surtout dans le développement, ou bien même dans la conclusion. Parce que la prédication aussi, sa base, quand tu prêches, quand tu exhortes, tu prends l'exemple, comme j'avais pris l'exemple des esprits mauvais dans les problèmes d'esclavagisme. Ce verset-là est capital pour montrer aux gens qu'il y a un esprit qui est à l'homme. Si Christ il vient, il te libère de cet esprit. Mais cela ne veut pas dire que comme Dieu est libéré éternellement. C'est quitte à toi de marcher bien parce que les esprits-là, chaque fois, ils sont en train de regarder de loin, voir comment est-ce que tu te volues, comment est-ce que tu marches. Et toi-même, il faut faire attention. Dès que tu vas tomber, il est là pour appeler d'autres esprits, de lui renforcer, parce que son objectif est de maintenir dans sa maison. Donc, pour dire que quand Christ nous libère, le diable n'est pas content. Le diable veut seulement que nous soyons des distributeurs. Moi, j'appelle que des distributeurs. Donc, lui, il y a distributeur et qui dans l'histoire du commerce, il y a quelqu'un qui est fournisseur, l'autre, il est distributeur. C'est le diable, quand il vient, il te fournit. Ingérieur. Tu dis comme ça. Tu ne veux pas dire, ah, dis-le, allez, balance-lui comme ça. Allez, regarde, on va te voir comme ça. Donc, quelqu'un qui te fournit des pensées négatives, il te donne des trucs, fais comme ça. Toi, tu es là que pour distribuer. Distributeur, Après, quand Christ te libère, l'autre là dit, ah, mais j'avais Ephraim qui distribuait très bien mes injures, il distribuait bien, lui, vraiment, il était cool. Il bagarrait tout le temps, il était un bon client, lui. Mais maintenant, il faut que je retourne. Il va faire tout pour retourner de loin. De loin, il retourne. Et dès qu'il voit qu'il y a l'espace, il vient, il rentre. C'est pour cela, l'homme qui est libéré, il faut qu'il fasse attention de sa liberté. Qu'il ne prend pas sa liberté à la légère. Qu'il prend vraiment sa liberté, je suis libéré. Mais puisqu'il m'a libéré, il faut que je prenne ça à la légère, au sérieux. Parce que le diable, il veut toujours
mais retourner afin qu'il soit dans les jours d'esclavagisme. Et quand tu donnes ces vexés, tu essaies un peu, tu sors un peu de ton côté, tu commences à expliquer ces vexés. Les gens vont comprendre, ah, donc oui, donc si le diable libère, si Christ il libère quelqu'un, le diable n'est pas content, il regarde. C'est pour cela que vous allez voir des pasteurs, quand ils tombent dans l'impudicité, le même pasteur commence à voler l'argent, le même pasteur commence à... Ça vient, tout le mal, ça vient rapide. Et s'il n'y a pas des intercesseurs pour intercéder pour lui, il part. C'est pour cela, quand vous voyez des choses comme ça, les enfants, les disent, intercédez pour vos frères, intercédez pour vos sœurs. Parce que là, il y a les feux orange. Quand il y a les feux rouges, pan, il ne va pas savoir, même si tu lui dis, hé, Fahim, c'est toi qui nous exhortes. Tu as dit, ah, là, c'était dépassé. Parce que là, le diable, il est en train de le mâtir, il le tient. Amen. Amen. Dieu nous fera grâce. On va toujours avoir des rencontres comme ça parce que mon objectif est que demain vous commencez à exhorter et à prêcher comme ça à l'église. Et à prêcher comme ça à l'église, c'est que quand vous transmettez des messages, il y a des autres qui commencent à trouver ça va. Le message qui nous concerne, ça nous tient à cœur. Donc, et puis, il y a des choses dans les enseignements maintenant. L'enseignement, c'est différent. Comment est-ce qu'on fait les enseignements? Comment est-ce qu'on prépare les enseignements? C'est un peu des cas différents. Quand tu cherches l'obéissance, tu parles dans les jugements, tu suis seulement les jugements derniers. Tu rentres pour cibler seulement les mots-là. Pour cibler seulement ces jugements. Et dans la prédication, comme ça, tu essaies un peu de décortiquer, tu rentres un peu à l'intérieur. Au lieu de s'y passer, d'aller seulement, parfois, 15 minutes aussi, c'est paix. C'est pour cela que quand tu es 15 minutes, c'est paix. Quand tu rentres à l'intérieur, tu commences à développer. C'est pour cela que c'est ça, on a dit, les frères, ils dépassent souvent le temps. Quand ils voient les frères, ils disent, allez, oui, parce que quand ils rentrent, tu vas commencer, ils commencent maintenant à décortiquer, aller, à se rapprendre. C'est ça le Seigneur qui nous a appelé. Moi, je sais que parmi vous, vous êtes des bons prédicateurs, vous exhortez très bien, pas seulement moi qui l'ai dit, mais il y a quand même des mamans, des papas, des gens, surtout de l'extérieur. Ce qui, moi, ça me touche, ce n'est pas des frères, c'est des pasteurs qui me disent. Donc, quand il y a des pasteurs qui me disent, si Messi dit que Ronaldo s'est tiré des coups francs parce qu'il sait jouer, mais. Si un pasteur il dit félicitations, je vis quand même. Moi, souvent, on m'a demandé est-ce qu'il prêche dans moi? Non, non. Il prêche, il exhorte. Ah bon? Mais félicitations de voir des gens comme ça. Donc, moi, vraiment, je suis fier. J'aimerais bien que ça continue dans toute humilité. Ça continue. Et puis, ça créera après quelques années. Le Seigneur lui-même, c'est là où nous amène pour. Des bonnes choses. Amen. Amen. Oui, c'est qu'il était très important et très capital. Nous allons prier dans le peu de temps qui reste. Nous allons recommander cette église entre les mains du Seigneur, tandis que le Seigneur nous donne la force. Le diable, parfois dans cette église, le diable ne veut pas. Ce que je vous dis, le diable ne veut pas. Le diable, pour cette église, il veut seulement cette église, donc, comme si on ferme les portes aujourd'hui, demain. Je ne sais pas vers le diable ne veut pas. Mais moi je dis toujours, dans l'œuvre de Dieu, moi je ne regarde pas le diable. Le diable, le Seigneur l'a vaincu. Les choses qui peuvent déranger, c'est nous. Parce que le diable, le Seigneur l'a vaincu. Maintenant, le diable peut mettre quelque chose en toi, en moi, qui peut empêcher l'avancement, qui peut empêcher la réussite. Tout ça, nous allons prier. Nous prions aussi pour les œuvres du Seigneur. Fais-nous grâce. Aidez-nous. Donne-nous la force là où on est fatigué. Nous sommes des êtres humains. Arrive à un moment, tu peux être fatigué. Arrive à un moment, tu n'arrives même pas à lire. Il ne faut pas dire que ça arrive mais seulement à vous. Arrive à un moment, moi, des livres, je n'arrive même pas à lire. C'est normal. Ça arrive à un moment comme ça. Tu as besoin de lire, mais tu n'arrives pas. Les diables t'empêchent. Apôtre Paul a dit ça, la Bible. Vous voulez aller quelque part. Et il a dit, le diable m'a empêché. Mais nous avons dit, Seigneur, donne-moi la force.
Donne la force à mes frères et mes sœurs. Donne à cette église la force. Seigneur, nous voulons que tu nous amènes là où tu veux nous amener. Tu voulons que c'est de gloire. Tu nous amènes parce que moi, je vous dis que je suis persuadé, convaincu, que le Seigneur fera quelque chose dans votre vie. Et le Seigneur fera quelque chose dans l'église. Ne voyez pas que vous êtes tellement des... Un jour, on parlera de ça. Mais il faut maintenant qu'on regarde seulement que le Seigneur nous fait une grâce. Moi, je dis à Dieu, peu importe l'état qui peut me prendre, peu importe, c'est pour cela, je suis content de vous voir, même avec deux personnes. Je suis là pour encourager, pour enseigner. Je suis là pour même baptiser, même une personne, même deux, même trois. Pour moi, ça compte beaucoup. Donc, le Seigneur, fais-nous grâce. Accompagne-nous. Sois avec nous. Là, on est fatigué, donne-nous la force. Là, on n'appelle pas, on n'arrive pas, donne-nous la force, Seigneur, notre devoir. Dans le nom de Jésus, nous commençons à prier. Oui, on s'arrête un peu de minutes. Prions. Oh, Père, donne-nous la force. Et surtout, le droit persévérant dans la prière, dans le monde, dans la parole de Jésus. Parce que nous avons la parole, dans la force, parce que nous avons la puissance. Pour le vent, la parole, la force, le vent, la force, la parole. Accorde-nous la force, Seigneur. Père, nous nous abandonnons à toi, fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, Saint-Esprit. Fais grâce à cette église, fais grâce à cette église, fais grâce à cette église. Que mes frères et sœurs de gloire soient des chrétiens fermiers. Que mes frères soient des chrétiens sidis, sœurs de gloire. Père, nous te supplions dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, Jésus, Jésus. Père, nous te supplions, Père, nous te supplions, Père, nous te supplions, Père, nous te supplions dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce, Père. Père, sous de gloire, prends nos pensées, donne-nous tes pensées. Prends nos bouches, donne-nous ta bouche à toi, c'est de gloire. Prends nos yeux, donne-nous tes yeux à toi, c'est de gloire. Prends nos oreilles, donne-nous tes oreilles à toi, Seigneur. Père, prends, c'est de gloire, notre faiblesse, donne-nous ta force. Père, nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu. Père, accorde-nous la force, Seigneur. Père, accorde-nous la force de gloire. La force de prier, oh Dieu. La force de gêner, c'est de gloire. La force de lire la parole de Dieu. La force de marcher dans la crainte. La force de marcher dans l'obéissance. Hey, Jésus. Père, nous te supplions. Ne me permets pas. Ne permets pas que nous retournions dans l'esclavagisme, Père. Ne permets pas que nous retournions en arrière, c'est de gloire. Mais Père, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Hé, hey, Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. 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 J'ai besoin de toi. Père, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Yé, Kéra, Baba. Yé, Yabasha, Karianda, Baba. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à cette église. Fais grâce, le roi. Fais grâce, Seigneur. Déverse ta grâce. Déverse ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, à mes frères qui sont fatigués, à mes frères qui ont abandonné la foi, à mes frères qui sont rétrogradés. Père, je t'en supplie, Saint-Esprit, de leur accorder la force. Je t'en supplie, Saint-Esprit, de leur donner la force de gloire, d'élever ton Seigneur ensemble. Père, nous te supplions ensemble. Je me rêve à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur de gloire. Père, je m'abandonne à toi. Eh, Kéra Baba, Chanda Baba. Eh, Yébekéra Baba, Yébouchokodion, Nobobo Yabakanda Baba. Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi.
Ne me laissez pas agir tout seul, Seigneur de gloire. Ne me laissez pas agir tout seul, Seigneur de gloire. Mais le Saint-Esprit vient se reprendre mes pensées. Le Saint-Esprit vient de prendre ma bouche. Le Saint-Esprit vient de prendre tout ce qui est à moi. Oh, sois élevé, Seigneur de gloire. Le matin, on a quitté. Le monde, on a beaucoup de gens dans la bouche. Yes, on a voté les paroles. Fais-nous grâce, Seigneur de gloire. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, déverse sa grâce dans cette église. Père, déverse, donne mes frères qui sont fatigués, donne-lui la force de gloire. Père, donne la force à mes frères, Seigneur de gloire. La force de te servir, Seigneur de gloire. Donne-moi la force de te servir, oh Dieu. L'amour que j'avais avant, oh Dieu de gloire. Donne-moi cette force, Seigneur de gloire. Donne-moi cet amour, Yahweh Zab. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Eh, Yébeke Rababa, Yama Chokolion de Bobo. Père, je me donne tout. Je me donne tout, c'est de gloire. Je me donne tout, Yahweh. Père, fais-moi grâce. Père, fais-moi grâce. Père, fais-moi grâce. Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Enlève la fatigue. Enlève la paresse. Fais-moi grâce. Donne-moi la force, c'est de gloire. La force de taureau. Donne-moi la force de se réveiller encore, de prier. Donne-moi la force de lire la parole de Dieu. Donne-moi la force de veiller, oh Dieu. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Dans le nom puissant de Jésus. Dans mes temps difficiles, donne-moi la force. Donne-moi la force. Nous allons prier, briser tous les forces du diable. Vous savez, le diable, il a un plan pour nous rétrograder. Il a un plan pour nous faire retourner dans l'esclavagisme, comme on vient de dire. C'est le plan du diable. Tu vas prier même pas pour toi aussi, pour les autres, pour tes frères, pour tes sœurs, les diables. Les premières choses, les diables est fait. Tu vas voir les diables, s'ils commencent à envoyer la paresse, de lire la parole de Dieu, la paresse, de prier, la paresse, mais de venir à l'église. Tu vas voir les frères, mes sœurs qui sont, n'arrivent pas à s'élever pour venir à l'église. Les premières démarches du diable. Donne le Seigneur, donne-nous la force encore. Donne la force à nos frères, à nos sœurs. Commence à briser tous les plans du diable. Commence à briser toutes les stratégies du diable. Les mêmes stratégies, il fait encore dans ce pays. Pour endormir les chrétiens. Pour aveugler les chrétiens. Nous allons prendre l'autorité. Prions, prions. Brisez ces forces.